plaisir de jouer à la boîte. Non, je vais pas faire ça. Non, en fait, ce soir, il y aura le Nécolaïde Orchestra au grand complet. Ouais. 17 musiciens venus du monde entier de Toulouse. Voilà. Ils sont tous là, toutes les formations, ils sont capables de chanter dans n'importe quelle langue. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très impressionnant, sans partition. C'est que du par cœur, c'est de la recompo, et c'est que les cultures de l'imaginaire. On est au cœur du Rock Magic Festival. Hier soir, pour les vrais, ceux qui savent, il y avait évidemment le premier concert au Bikini. Demain soir, la soirée continue, vous pouvez aller sur Internet, ce n'est pas terminé. Et ce soir, pour bien ouvrir la soirée dans quelques instants, on va commencer par le défi Kayane. Voilà, le défi Kayane. Alors, avec Marie, donc, en fait, on va alterner les animations. C'est-à-dire que pendant, on va faire animation avec Kayane, parfois il y aura un peu d'autres animations, il y aura des quiz. Vous allez voir qu'il y en a qui pensent s'y connaître en musique, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, il y aura même peut-être en fin de soirée un peu de Mario Kart pour se faire plaisir, mais en attendant, il y aura aussi, entre les deux, le Nécolaïde Orchestra qui va produire un certain nombre de musiques qui sont au complet, ils vont se mélanger, voilà, ils vont chanter en japonais, en français, des génériques extraordinaires hein, qui viennent de l'absolu. Mais je pense que pour en parler, on peut appeler l'organisateur de ce festival, celui grâce à qui nous sommes tous là et nous aimons la barbe. Veuillez accueillir Nico Nico. Bon, on va faire comme hier soir, c'est un petit peu le début de soirée. On va essayer de mettre un peu l'ambiance qui est ici, avant de commencer à jouer. Est-ce que ça va le meltdown ce soir? Oula, oula, oula. Vous avez dormi comme vous, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des fans du groupe Nécolaïde Orchestra par exemple? Ouais. Tous mes cousins avec les enfants. Voilà, mais c'est l'occasion. Vous allez voir quelque chose d'assez unique. C'est une première, je ne savais pas ça dans ma note. C'est la seule fois, pour la première fois, les 17 musiciens du groupe sont réunis. Merci encore à tous et bon Rock Magic. Ce soir, nous sommes au Meltdown avec en compagnie de Kayane. Kayane, bonsoir. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Ah, tu peux me tutoyer, hein, sinon ça me vieillit, hein, j'aime pas trop ça. Alors, ce qui explique ma présence, c'est qu'il y a le festival du Rock My Geek, et du coup, c'est des amis qui l'organisent, donc le Nécolaïde Orchestra. Et voilà, je viens ici pour, entre les entr'actes, pouvoir jouer avec le public. Donc voilà, rencontrer aussi le public du Meltdown. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, des très bons joueurs de jeux de combat aussi, et que le public est passionné, donc voilà, venir à la rencontre des gens. Et c'est souvent que tu viens ici sur Toulouse? Non, pas du tout. J'étais venue au Toulouse Game Show, mais c'était ma première édition en novembre dernier. Sinon, je suis venue à Toulouse, mais il y a très longtemps, donc voilà, je viens pas si souvent que ça. Et sinon, tu es assez régulièrement dans ce genre d'événement, ailleurs en France? Ah oui, ailleurs en France, par contre, en 2015, j'ai fait une quarantaine d'événements, ouais. Donc, faire un week-end dédié à ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup d'événements, mais cette année, c'est reparti encore de plus belle, donc voilà, ça va pas s'arranger avec le temps. Mais on voit que, parce que tu fais de l'e-sport en fait, c'est ça? Bah, en fait, quand je suis en représentation dans les événements, c'est, on va dire, plus démocratiser les jeux vidéo, enfin, les jeux de combat au sens large, donc... L'e-sport, c'est vraiment de la compétition, s'entraîner et participer au tournoi. J'ai fait une grande pause après avoir terminé mes études et je me suis consacrée à Game One et justement à aller à toutes ces conventions. Mais avec Street Fighter V, ouais, je vais reprendre l'e-sport de plus belle. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette popularisation de l'e-sport et de la culture geek? Ben justement, il y a eu aujourd'hui même un article du gouvernement français sur le site qui parle de mon parcours. Et c'était vraiment quelque chose d'énorme en fait pour moi, mais aussi pour la reconnaissance que je recherchais à avoir en tant que joueuse depuis tant d'années. Hein. Je participe au tournoi depuis mes 9 ans. Et il y a eu une reconnaissance par le Guinness World Records où j'ai eu 42 podiums. C'était déjà un premier pas qu'un si grand bouquin de records puisse me contacter, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'un jour le gouvernement français veuille m'interviewer pour figurer parmi les figures françaises qui font bouger la France, et surtout au niveau de l'e-sport, donc c'est déjà un grand pas pour la reconnaissance de l'e-sport aussi en France. Et tu peux nous expliquer ton palmarès dans l'e-sport?
Alors depuis 2001, je participe au tournoi de jeux de combat, donc j'avais 9 ans quand j'ai commencé. J'ai participé à plus de 80 tournois dans ma vie et eu 42 podiums jusqu'à 2012. Donc en fait, là depuis, il y a aussi eu d'autres podiums, donc ça va augmenter le record. Je pense que j'en suis à 55 environ pour maintenant. Donc voilà, le Guinness m'a encore contacté pour réactualiser le record, mais on va voir ce que ça donne. Je sais même plus moi-même combien j'en ai au final, mais voilà, ça fait que je suis là depuis très longtemps et que je participe au tournoi mixte de jeux de combat, et voilà, j'essaye de continuer dans cette voie. Et est-ce que ce sport, c'est comme les sports traditionnels, on va dire, avec un entraînement régulier tous les jours? C'est sûr que c'est un entraînement régulier tous les jours, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Il faut constamment avoir cette dextérité, cette rigueur, être concentré à chaque fois et s'entraîner sur les combos dans mon cas. Mais bon, les joueurs de StarCraft par exemple, qui doivent avoir 300 actions par minute, ça se travaille quand même. Donc moi j'essaye au mieux de jouer contre un maximum de joueurs différents, avec des personnages différents aussi. Dans Street Fighter 4, il y a eu une quarantaine de personnages, donc ça fait quand même beaucoup à étudier. Et voilà, m'entraîner online et offline. Moi, je suis une adepte du offline. Je préfère voir les gens en vrai et jouer contre eux en vrai. Et ce soir, donc, tu vas défier les clients sur Street Fighter? Il y a Street Fighter 4 et Soul Calibur 5, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu as sûrement une chaîne YouTube, page Facebook, peut-être Twitter et Instagram? Oui, bah du coup, c'est très facile de me trouver sur Facebook. On tape Kayane, on va me trouver directement. Pareil sur Twitter, Instagram, c'est KayaneFR et YouTube, Kayane TV. Mais je suis pas très active sur YouTube, hein. Je mets surtout des vidéos, soit de vlog, soit des musiques de piano que je joue. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Depuis
Sega Rally 2, c'est juste le meilleur jeu de course possible. Non mais, sans déconner, hein, c'est un vrai jeu de bagnole, pas avec des trucs techniques, ouais, des réglages, des trucs chiants. C'est Grid 2, et c'est offert par Julien, pas peut dire Julien. Alors voilà, et maintenant tu remportes le Grid 2. Bravo, joué. Merci. Bravo. Et tout de suite, dans quelques instants, vous allez pouvoir applaudir la première session jeune du Nekolaito Orkesu. En japonais, ça devrait être Nekolaito Orkesu. Non, c'est compliqué. Donc le Nekolaito Orchestra. We'll be right back.